Salut, bienvenue dans cette petite vidéo où je vous emmène avec moi aux écuries. Ça y est, arrivé aux écuries avec l'accueil de ces deux gros chiens là qui font bien peur. Je rigole. En arrivant, j'ai sorti quelques chevaux au champ et ensuite je suis allée vider la bassine qui fait le foin purifié. Et puis je l'ai re-rempli pour faire une autre ration. Et du coup, dans le petit truc noir qu'on voit, il faut le remplir à fond d'eau. Donc c'est ce que j'ai fait, mais j'ai tourné le robinet un peu trop fort, du coup c'est parti partout. Ensuite, je suis allée faire un ou deux box qui restaient à faire. Et puis je suis allée vider la poubelle à crottins. Et voilà. Il n'y avait d'ailleurs vraiment pas grand chose à l'intérieur. Oh, t'as toujours plein de pailles partout. Oh, je t'ai propre, mon dieu. C'est la cata là un peu. Bon, je sais plus ce que j'ai fait entre le moment où j'ai été vin bicolore et le moment où j'ai mangé. Mais j'ai mangé assez tôt parce qu'on avait fini tout ce qu'on devait faire. L'heure de manger. Une petite voix off parce que dans la vidéo on n'entend rien du tout à ce que je dis, mais en gros je disais que j'avais fini de manger et donc que j'allais préparer Bicolore et que j'allais sûrement la détacher vu comment elle était dégueulasse. Et voilà, du coup je vous emmène avec moi. Bah, du coup, je vous embarque avec moi dans la petite préparation. On va essayer de détacher les petites taches qu'il y a ici et ici, enfin un peu partout quoi. C'est parti. Regardez. Et je vais essayer de la détacher un maximum. Avant ça, je vais aller chercher de l'eau du coup, parce qu'il me faut de l'eau. Du coup, je prends de l'eau et je viens faire une pâte en fait. Hop, et après. Et une fois que ce sera sec, avec mon bouchon. Je vais venir retirer la pellicule blanche en fait que ça laisse et ce sera tout blanc. Bon, j'ai fini de passer le détachant. J'ai fait en gros hein, parce que j'en peux plus. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus, mais ça ça fait. Du coup, je vais démêler la queue et après brosser le produit que je vais mettre pour enlever la petite pellicule qui s'est mise sur une petite poussière en fait. Après avoir mis le démêlant et l'avoir laissé bien posé, je viens enrouler la queue et je commence par le bas et puis je remonte petit à petit pour arracher le moins de poils possible en fait. Ça
ça y est, le produit il est bien sec et là je viens brosser pour enlever toute la petite poussière qu'il a laissée. Et on voit bien que ça vole de partout. Bon, la lumière ne la met pas à son avantage hein, parce que ma casquette est vraiment blanche. Ok, elle est pas super blanche mais elle n'est pas aussi jaune que ça quand même. Changement de programme, je vais monter bicolore. Je sais pas si je vais la monter au final. On fait un truc cool avec Laura. Là, je vais chercher un poney. Et après, on va peindre un cheval. Je sais pas si vous aurez les images, mais ça va être cool. Et là, en attendant, je vais chercher un poney. Hop. Le petit minou qui est ici. Carius. Bon, c'est la première fois qu'il a pas envie de rentrer. Au final, j'ai pas monté bicolore, mais on a fait de la peinture sur Rocky et c'était plutôt cool à faire. J'ai pas pu filmer, mais c'était vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'on t'a fait, hein? Bon, bah en tout cas, c'est mort pour monter bicolore cet après-midi, je pense, parce qu'il est déjà 4h30 bientôt. Je monte à 18h30, mais c'est pas grave parce que c'était trop cool de faire ce qu'on fait avec Laura, enfin même si c'est son truc. Bon, et bah Laura galère un peu avec son concours, je crois que c'est Equifil que ça s'appelle, mais bon c'est pas grave. En fait je pense que, enfin on a dû mettre trop de temps à préparer Rocky et il en a eu trop marre à la tâche, du coup là il est pas du tout concentré, des trucs qu'il sait faire normalement tranquille. On a réussi, elle a réussi à rien. Donc c'est pas facile. Ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à liker si t'en as envie. J'ai complètement oublié de faire une fin de cette vidéo. Du coup, je la fais comme ça.